Et yo, c'est Dredd, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la suite de la vidéo du deck farm. Parce que une fois que je vous ai montré le deck farm que j'ai fait avec le duel des paradoxes, et ben juste quelques secondes après, j'ai vu que mon résultat était de 500 000 points. Donc j'ai largement dépassé les points. Et on débloque donc le Tyranno. J'essaye d'être aussi compétent que Jaden, mais j'ai appris quelque chose. C'est qu'essayer d'être aussi bon que n'est pas aussi bien qu'essayer que d'être meilleur que. Ici dans Duel Links, ma mission est de vaincre Jaden. Je vais vaincre Jaden et je deviendrai le roi du monde de duel. Et pour cela, il faut que je puise dans l'ADN de mon dino. Je ferai ce duel avec mon instinct primaire. Et quoi de plus primaire que mon Tyranno ultime? Regardez-moi évoluer comme jamais. Ouais, Tyranno ultime, elle est classe cette carte. Donc voilà, on l'a débloqué. Et comme d'habitude, on va regarder qu'est-ce qui nous débloque en montée de niveau. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Alors, on va aller dans GX. Et donc, on va regarder de suite. Ce que nous donne le Tyranno. Alors, à partir du niveau 3, on a un Evoltil Odonto. Alors les comme ça, sont énormément beaux. Ensuite, au niveau 4, la compétence ADN de Dino. Au début de chacun de vos tours, récupérez 200 points de vie. Ouais, ça peut être très puissant. Ça peut paraître pas mal au final, non? Rapide Evo. Ensuite, au niveau 10, Evolzor Serato. Au niveau 11, Evoltil Odonto. 13, Royaume des Dinosaures. Donc, à mon avis, Royaume des Dinosaures, c'est peut-être pour mettre le terrain. Sauf que là, je la vois pas apparaître sur le tableau de côté. 14, la pilule d'Ultra Évolution. 16, Rapide Evo. 18, Evoltil Odonto encore. 20, puissance d'Idino imparable. Augmenter l'attaque et la défense de tous les monstres de type dinosaure qui vous contrôlez 200 points. C'est pas la plus grosse, c'est pas pété, mais ça peut toujours servir. Evoltil Westlo. A tester, voir si un jour un deck Evolt, ça peut être pas mal, je pense. Pilule d'Ultra Evolution. Un Brachio, la bête lézard quand on sera niveau 25. Niveau 30, encore un Rapide Evo. Niveau 33, un Evolzor Celato. Niveau 35, un pilule d'évolution majeure. Niveau 38, un Evolzor Celato. Niveau 40, un Brachio, la bête lézard. J'espère que c'est un Tyranno ultime la dernière ou un truc bien. Ah, la pilule d'évolution double. Oh, ça c'est même pas mal. C'est vachement pas mal au final. Donc voilà, vous savez que selon débloque. Comment on débloque donc Tyranno? Eh ben, il faut gagner, si je dis pas de bêtises, 420 000 points. Voilà, 420 000 points pour débloquer Tyranno à Slibiri. Dans l'event actuel Ultimate Evolution, accumuler 420 000 points, donc ça veut dire gagner des morceaux là de trucs de fossiles et l'affronter dans le portail, tout simplement. Je tiens à préciser, parce que je sais qu'une fois on m'a dit que je précisais pas comment on gagnait le personnage. Donc, en cas où, hein, je préfère le dire, hein. Tout simplement. Et ben, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.